Doivent savoir qu'il y a un seul Dieu et c'est lui seulement, avec lui seulement, que tout est possible. C'est l'évangile de la toute crainte de Dieu. C'est l'évangile de tout le salut. C'est l'évangile du commencement. C'est l'évangile de la fin. C'est l'évangile de la sagesse. C'est l'évangile de la vie, de la gloire. C'est l'évangile de l'heure. C'est l'évangile aussi de l'adoration éternelle, de l'adoration perpétuelle. Alors, convoqué ici à Stein pour une fois encore. Et le peuple présent que vous formez, eh bien, représentera la terre devant Dieu en ce jour et ici. Le peuple que nous formons, et avec bien sûr les milliers de personnes qui nous suivent donc en direct et par le biais de H-Live, eh bien, en vérité, sauront que nous sommes ici pour dire que ce même évangile appelle encore des hommes. Il appelle encore des hommes, et cela depuis Adam, depuis Enoch, depuis Noé, depuis Abraham. Il appelle les hommes à marcher avec Dieu. Il appelle les hommes à découvrir d'autres sillons qui ne soient pas du tout des lieux moins effectifs que cela, soit pour visiter telle ou telle capitale de la terre. Nous sommes invités par l'évangile éternel à visiter comment ça se passe dans les lieux élevés. Vous vous souvenez de ce qui a été dit? Ce qui a été dit, c'est que de toutes les tribus, il y a 12 000 pour former la grande cohorte et pour chanter des chants glorieux. Nous n'avons de cesse de répéter cela et depuis 3 jours déjà, nous répétons que nous aussi, nous sommes aussi invités à être donc comme Jérémie, comme Isaïe, comme Jonas, comme Naoum, à laisser nos lieux, nos carquois pour pouvoir découvrir l'autre vérité, l'autre réalité, la réalité de l'éternité, là où ça va se passer définitivement et tout à fait normalement bien. Et puis, nous savons que cet évangile a parlé par Pierre pour dire le premier message de la Pentecôte. Et très souvent, nous faisons de l'historique avec cela. Mais non, l'évangile fait son voyage. Il fait son voyage par Paul. Paul qui a effectué pas mal de voyages et qui a établi pas mal d'églises. Oui. L'un était rencontré auprès de Philet, l'autre donc sur la route de Damas. Et nous savons que l'évangile continue à rencontrer les hommes encore, à rencontrer les hommes ici-bas, à rencontrer les hommes dans les villes, à rencontrer les hommes dans les brousses,
à rencontrer aussi les hommes dans les quartiers difficiles, à rencontrer les hommes dans les beaux lieux pour pouvoir faire un travail excellent, celui de devenir un Dieu en vérité. En fait, dire l'évangile aujourd'hui, cela revient aux apôtres, aux évangélistes, cela revient donc aux pasteurs, mais oui, aux étudiants, aux futurs, aux jeunes, pour pouvoir se lever maintenant, pour se constituer, mais oui, en des cohortes d'hommes. Il ne faut pas se contenter de si peu. Même quand nous serions 10 000 aujourd'hui, c'est encore si peu. 1 million, c'est encore si peu. Nous avons, et c'est ça le sens de l'évangile, horreur que nous puissions nous contenter du nombre, alors que Dieu nous montre que le dénombrement se passera, mais oui, en regardant là où ça se fait. De toute façon, je vais vous dire, je vais nous dire à nous-mêmes, à vous et à moi, le but de l'évangile éternel, c'est que là où sont fautés les hommes, eh bien, les anges disent, mais oui, il faut continuer à répéter la même chose. Craindre Dieu, c'est l'excellence. Craindre Dieu, c'est l'invitation pour que la terre devienne sage. Craindre Dieu, adore Dieu, c'est le message qu'il faut répéter sans cesse. Et nous sommes encore aidés par le Saint-Esprit. Mais là où nous sommes faillis, ou là où nous serons faillis, là où nous prenons du temps, alors que le temps s'arrêtera un jour, eh bien, je vais vous nous dire, pour l'évangile éternel, ce sont les anges qui vont faire le travail depuis là-haut, entourés donc des milliers et des milliers, des milliards et des myriades, pour faire reconnaître à la terre que Dieu est Dieu. Et maintenant, il est temps que tous sachent à s'arrêter sur cela. Arrêtez, comme dit le psalmiste du psaume 46, et sachez que Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mes bien-aimés, nous occupons une place angélique sur la terre. Nous occupons une place angélique. Pas pour nous enorgueillir, mais c'est vrai. Cette place angélique qui nous sera ravie, pour que nous puissions entrer dans la grande foule. Mais oui, parce que les élites, ce sont des anges non corruptibles. Alors nous en sommes invités à vivre déjà le sens de l'incorruptibilité. Soyez bénis. Et à vivre aussi le sens de l'immortalité. Alors, écoutez, pour bientôt et pour toujours, nous serons vivants. Et tant que nous sommes en vie, nous vous invitons donc à représenter dignement l'évangile de Jésus-Christ. Nous nous invitons à vivre donc dans l'excellence de cette vie. Nous nous invitons à faire de nos lieux des lieux qui ne regardent qu'à Jésus. Des lieux qui ne regardent qu'à Jésus. Pour ne pas plus perdre du temps, pour ne plus avancer dans le temps sans accomplir véritablement le but de l'évangile. Je vous encourage à être toujours vous-même, mais sans vos liens. Sans vos liens égocentriques, sans vos manières de vivre sans changement. J'ai dit donc, comme vous savez que dans l'homme il y a toujours une résistance parfaite, nous sommes toujours nous-mêmes, même que nous voulons faire des efforts, mais il suffit de voir encore donc, ce que nous faisons, nous restons nous-mêmes. Mais l'évangile nous demande de ne plus nous-mêmes, de nous renoncer à nous-mêmes, de nous charger de nos croix et de suivre Dieu. Tout à côté là, le compte, je dis encore que le compte n'est pas encore bon. Le compte n'est pas encore bon. S'il y a 300, demandons 600. S'il y a 600, demandons 6 fois 600. Demandons plus pour Dieu. Demandons plus pour Dieu. Pendant ces jours derniers, l'un de nos serviteurs a compté si des évangélistes pouvaient se mettre à travailler. Je ne peux pas revenir là-dessus. Ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, n'ont plus compris. Mais nous sommes arrivés à 30 millions. Même là encore, si nous pouvons faire ça, allons-y plus. Ne nous contentons pas de ce que nous avons fait déjà. Allons plus. Demandons plus à Dieu. Et allons pour le plus grand nombre, pour que nous soyons avec Dieu. En fait, je termine ici par dire, bienvenue ici. Terminez aussi par dire, mes chers collègues, mes chères soeurs et frères, de toutes nos églises ici réunies à Stein pour sa 25e, que pendant
C'est des laïcs, ce sont des laïcs, des jeunes frères qui sont... Oh oui, parce que moi je parle de l'évangile ici, mais je suis devenu comme étudiant. D'ailleurs, en y arrivant, je fréquentais plutôt d'autres communautés, pas en tout cas la mienne. Et puis, j'ai rencontré un jeune frère, lui Jean, qui m'a dit, un homme comme toi, un jeune comme toi, ta communauté a besoin de toi. Tu es étudiant certes, tu fréquentes la faculté certes, mais c'est bien de venir prendre ta place dans la communauté. Et ainsi, j'ai été invité à être donc à une communauté haïtienne. Là, j'ai travaillé dans jeunes. C'est là aussi, en même temps, on m'a encore appelé à être pasteur à une communauté malgache, à Montrouge. Et c'est là, un groupe est venu me dire, nous formons un groupe, nous désirons en vérité que tu deviennes notre pasteur. Thank you.
je le suis jusqu'à présent, en fait, pour être inspecteur. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien qu'on m'a appelé à devenir pasteur. Donc, l'évangile n'a pas été annoncé par moi, même dans la communauté. D'autres l'ont fait. Et j'ai déjà, dans mon ministère, élevé dans le cadre du doyenat notre sœur Verdicile, que nous appelions Morel. Ok. Nous, dans cette église première, nous nous souvenons que nous n'avons pas honoré suffisamment les gens qui ont pu travailler. Et c'est aujourd'hui le cas. Comment nous allons arriver au 600e du protestantisme mondial, c'est-à-dire en 1516, voilà, donc nous allons fêter en 2017, l'année prochaine, à les 500 ans. Et nous allons fêter, je vais vous dire, c'est des myriades et des myriades. À utiliser sans cesse parce qu'on paye trop cher. Amen. Amen. On paye trop cher. En attendant que nous achetions. Alors, priez pour nous pour que nous puissions acheter. Pas ici, mais quelque chose de plus beau encore. Château tout le reste. Et j'ai dit quelque chose au Seigneur, c'est que nous devons acheter argent comptant. Pas pour faire un crédit. Ah ouais, ouais. Et si ma foi est capable de croire en cela, soyez bénis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, c'est vrai, il y a des lieux, il y a trop de vendredis qui restent donc sans veiller. Il faut venir prier pour le pays. Soyez bénis. Amen. Écoutez, vous avez donc l'institut. Ben, écoutez, la journée, il n'y a rien qui se passe ici. Nous avons 4000 mètres carrés. 6000, mais il y a 4000 que nous pouvons utiliser. Écoutez, il faut visiter ces lieux, c'est beau. Donc surtout la partie bureau. Alors, je vous en prie. Faites de ce lieu un lieu comme aujourd'hui pour le grand congrès. Je voudrais remercier en vérité Pasteur Dorothy Toussaint, puisque le programme, c'est le tel. Les flyers, c'est son fils. Il était pas bien loti cette fois, mais par la grâce de Dieu, il a pu travailler, Jeannette Toussaint, pour cela. La décoration, les fleurs achetées à Rungis pour en décorer ici, c'est l'œuvre de la mission et de Saint-Ouen. Donc, notre sœur, famille de Dieu, que notre sœur est pasteur. Et la chorale de Gethsemane, c'est le ministère de mon fils. Alors, viens, maestro Mathieu, il faut venir ici pour la grâce de Dieu. Où est mon autre maestro? Où est-il? Ah ben, venez. Donc, ce sont mes frères, ce sont mes enfants. Je vous dis, moi, je travaille avec mes enfants. Parce que je dois être en communion. Je suis très dur, très sévère. Les gens qui m'aiment fonctionnent bien avec moi. Alors, ce sont mes enfants, ce sont deux maestries qui sont partis étudier donc à Nogent pendant 2 ans pour qu'ils puissent servir. Alors, votre ministère est honoré. Merci que la terre entière sache que vous aimez le Seigneur et vous aimez faire chanter. Et c'est ça le bon ministère de la chorale de ces 44 000. Je prie pour que vous ayez 44 000 ici. Soyez bénis. Alléluia, alléluia. Bien, merci Seigneur, merci Pasteur Bélius. Et puis nous avons donc... nos amis, les jeunes de Myriade, il y a Martin, Romantin, et puis que dire d'autre? Nous avons donc Haïti Télé, nous avons Radio Sud, nous avons aussi donc des caméramens, en fait ici. Nous vous bénissons. Et puis que dire donc de nos pasteurs? Alors moi j'ai une équipe formidable, par la grâce de Dieu.
J'ai un héritage précieux. Un jour comme cela, le président de la fédération est arrivé chez nous. Et puis, c'était un lundi. Et il a vu ce jour-là 117 pasteurs. Et puis après, il m'a fait une réflexion, mon cher collègue. Et il m'a dit, mais c'est nos congrès seulement. C'est avec nos congrès qu'on rassemble ce monde-là. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est une partie qui est ici parce que nous sommes encore indisciplinés. Mais je vais vous dire quelque chose. L'année prochaine, par la grâce de Dieu. Peut-être que ce n'est pas ici, mais c'est un peu plus grand lieu, mais c'est encore valable. Et Dieu est favorable vers nous. Alléluia, gloire au Seigneur, nous allons danser pour nous. Alléluia. Toujours en paix.
et puis tout est possible, possible. Encore une fois, nous avons la victoire. Avec lui tout est possible. Encore une fois, avec lui. Nous avons la victoire. Avec lui tout est possible. Nous avons la victoire. Avec lui tout est possible. Encore une fois, avec la poésie. Nous avons la victoire. Avec lui tout est possible. Encore une fois, nous avons la victoire.